parents, bonjour. J'entends parfois de certains parents, que ce soit père ou mère, vis-à-vis de leur enfant du même sexe ou pas du même sexe, on s'en fiche. Cette phrase, c'est « je suis amoureux de mon enfant ». Et là, ça fait signal d'alarme dans ma tête. Je me dis qu'il y a une confusion entre la place d'amoureux, amoureuse, avec des pulsions sexuelles, voilà, des gens de notre âge avec qui on peut justement se projeter sous un format amoureux, et la relation à notre enfant qui n'est pas sexualisée et qui est certes le signe d'un amour intense et magique, mais qui n'a rien à voir avec la sensation d'être amoureux. Je pense que c'est compliqué de pouvoir utiliser ce terme-là, puisque ça vient mettre un petit peu la lumière sur cette relation qui n'est pas claire, justement, puisque vous l'avez surinvesti, mais pas de la manière la plus saine. Donc je vous invite juste à y réfléchir, je ne veux pas vous culpabiliser, puisque j'ai déjà dit, on n'a pas d'école à la parentalité, et puis des fois quand on a reçu aussi une relation et une éducation incestuelle, c'est pas toujours évident. Je vais en parler justement à la vidéo d'après, justement, la différence entre incestueux et incestuel. Je pense qu'il est important d'entendre le distinguo entre ces deux relations, de ne pas forcément vous connoter dans une relation incestuelle avec votre enfant parce que vous avez dit une fois je suis amoureux de mon enfant, mais il y a plusieurs signaux dans la relation incestuelle qui fait que c'est compliqué. Incestuel, on passe pas à l'acte, hein. Attention, je voudrais pas inquiéter les parents qui disent cette phrase-là, mais c'est quand même un signal d'alarme qui me permet de me dire que cette relation n'est pas en place et que on alimente aussi la relation œdipienne. Pourquoi, comment, ça c'est à vous d'y répondre. Vous pouvez aussi m'appeler, je fais des rendez-vous téléphoniques, je pourrai vous accompagner et tenter d'élucider un peu ce mystère et remettre pourquoi pas les choses en place avec vous dans la relation à votre enfant. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.